Welcome or welcome back to Watch Advisor on YouTube, where the watches are the stars. And today with me is Philippe Delotal from Hermès. He is creative director of the watches of Hermès. First of all, welcome. Bonjour. Uh, Bonjour. 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 I am talking French to him because uh, in the video we will swap to French. We did that once with Laurent Ferrier, and I uh, through the reactions that we got on the, in the comment sections, you were very happy <laughs> that we did something in French. You will again see subtitles, of course. We prefer to speak. French. Don't forget to subscribe and to hit the bell to get our latest notifications. Avec grand plaisir, on est venu à Paris hier pour la présentation de la nouvelle Hermès 4. C'est une montre femme, 36 mm. Mmh. Philippe a créé cette pièce pour Hermès. Et première question à toi, Philippe, quand tu es en charge de créer une montre pour Hermès, tu as une feuille blanche ou tu as des, des directives venant de la mmh. maison en disant OK, nous voulons ça, 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 ou tu peux vraiment commencer sur une feuille blanche Alors, déjà, le, le, la grande chance qu'on a chez Hermès, c'est d'avoir cette liberté de création. Alors, c'est vrai que c'est une, une liberté de création qui est aussi encadrée parce que. On a besoin d'avoir aussi un brief de départ. Dans ce brief en particulier, c'est évidemment une montre mécanique automatique, puisque c'est la première montre, on va dire, femme avec un mouvement mécanique automatique. Et puis aussi, surtout, on avait aussi l'intention d'avoir un bracelet interchangeable, avec justement la possibilité de pouvoir le changer d'un bracelet caoutchouc à un bracelet métal. Alors, on t'a dit de faire une montre avec un bracelet interchangeable. C'est ça, c'est exactement Mais ça. Il pas d'autres directives. Il pas trop d'autres directives. Non. Okay. Voilà, voilà. Donc, euh, cette liberté créative, on l'a mis au profit donc, de, cette, de cette nouvelle création. On est parti donc de cette, de cette feuille blanche, et le, le mandat de départ, le, le brief de départ, c'était justement d'avoir une montre. Euh, qui, qui restitue une forme, mais une forme simple. Et quand on parle de la forme simple, par exemple, Alex, il faut que savoir que la forme simple, elle vient de, 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 de plein d'endroits. Et en particulier, si on fait référence à la préhistoire, nos, nos ancêtres étaient des, des gens qui travaillaient la forme. Et si on prend par exemple des galets ou des silex qui ont été travaillés, on, re, on retrouve d'ailleurs la forme de la flèche. Si on prend l'exemple de Brancusi, Brancusi qui était un grand sculpteur, il a fait aussi de très belles créations avec justement cette forme simple. Et puis, si on prend quelque chose qui est peut-être plus récent, euh, moi, il y a une forme que j'aime beaucoup, c'est l'hélice. L'hélice, c'est une forme qui est relativement simple, mais à la fois complexe. Et on a vu justement avec cette montre lui donner cette aspérité euh, particulière, puisque là on parle aussi de ronds et de cercle. Et on est venu justement, avec un geste très tranché, couper cette pièce, c'est pour ça qu'on l'appelle cutteux c'est le long de cette pièce. On est venu couper à 3h, heures, 9h, heures, midi et 6h. Et finalement, on a transformé ce rond en une forme très particulière. Mm -hmm. Alors c'est vrai que quand tu vas voir, euh, par exemple, à 10 mètres cette montre, tu vas dire, effectivement, on a l'impression de voir une montre ronde. Mais mmh. ce n'est pas une montre ronde, parce que plus la, plus la focale va se rapprocher, mmh. et plus tu, tu vas découvrir finalement que cette montre, elle a une aspérité tout à fait particulière, et une forme tout à fait particulière, et évidemment une identité particulière. Je pense c'est plus dur de créer quelque chose de simple que de, de faire quelque chose, euh, je dirais, moche, mais avec plein d'additions de, 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 dessus. Où tu mets un peu de ça, un peu de ça. C'est bien. Non, le, le, souvent. Ce serait le... pas Hermès. Non, ça permet, effectivement, chez, dans la maison, on a plutôt tendance à, à retirer les choses et à garder l'essentiel. Ouais. Pour justement avoir cette simplicité de, de l'objet. Et moi, j'aime bien, effectivement, quand on découvre un objet, on le découvre de par sa forme. Et justement, sa, sa simplicité euh, organique, quand tu regardes un objet, tu vas le regarder de, de plusieurs manières, de plusieurs angles différents. Ouais. Et finalement, ouais. chacun va découvrir sa forme qui lui appartient. Et l'essentiel ici, c'est lire l'heure. Ça, c'est bien fait, parce qu'on lit bien. Et il n'a pas de date, et ça, je trouve très bien. Voilà. Ouais, <laughs> Pour te le dire, pas tout le monde va être d'accord, je pense. Je sais que beaucoup de gens disent Ok, une montre sans date, je ne peux pas avoir, parce que je dois avoir ouais, la date. Oui. Mais moi, je dis Ok, prenez votre téléphone. C'est bien marqué sur le téléphone. Mais là, la simplicité aurait été tuée par une petite date positionnée n'importe où. Si tu le mets à 3 heures, alors tu, tu, tu coupes le 3, qui est déjà. Il faut pas ouais. faire. Si tu mets à 4h30, euh, euh, la moitié de, de ceux qui regardent maintenant disent oh, « Mais pas à 4h30, une date, tu ne peux pas la mettre à 4h30. » Alors, c'est toujours un problème. Alors, sans date, c'est déjà idéal. Est-ce qu'il n'y avait personne chez vous qui disait ah, « Montre doit avoir une date ?» Si, il y a eu, y a eu un, un petit débat autour de la date. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit très justement, je trouve qu'une montre, c'est avant tout un équilibre. C'est une succession de, 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 de proportions, de, de formes, et, et cette ronde, justement cette ronde des heures, euh, on ne voulait surtout pas qu'elle soit coupée par, par disons, l'interruption d'une date. Et on a préféré finalement avoir cette sobriété et, et cette élégance autour de la ronde des heures. Voilà. Ouais, ouais. Et tu sais que chez Hermès, on est vraiment très très friand ouais. et très attaché à la typographie. Chaque montre a sa, sa propre typographie ouais. et chaque montre raconte sa propre histoire. Ouais. Donc il y a une résonance à la fois entre la typographie, la forme de la typographie, et aussi la, la forme de la boîte. La typographie créée là-dessus, elle n'existait pas avant Non, pas du tout. Elle a été créée justement pour, pour cette montre. Incroyable. Voilà, voilà. incroyable. Autre particularité de, de cette montre, euh, quand on parlait tout à l'heure de, de forme simple, c'est justement le, le décalage de la couronne. Oui, ça serait été la prochaine question. Ah, Pourquoi la couronne ne se trouve pas à 3 heures comme on, est, ouais. on a l'habitude Elle se trouve, euh, tout le monde l'a déjà vu, à 1h30. La raison principale, finalement, c'est qu'on euh, ne voulait pas euh, placer cette couronne comme habituellement à 3 heures parce que justement, ça allait déséquilibrer la forme. C'est-à-dire on a voulu vraiment garder la forme, la forme simple. Le et ouais, oui, acceptant. On ne voulait pas que cette, cette forme soit, soit, disons, détériorée visuellement. Et donc, on a voulu on a déplacé la, la couronne de manière un petit peu à la faire disparaître. Ouais. Hein, voilà. Et pour garder justement ce joli fuseau poli ouais. euh, et, et cette des élégance. Vu des deux côtés et, le côté. et voilà et on la retrouve d'ailleurs ouais, on ouais. retrouve cette forme tu vois à 3h et 9h ouais. et on la retrouve aussi à 12h et 6h ouais, ouais. voilà moins visible moins visible, moins visible, visible parce qu'il y a les attaches ouais. effectivement ouais. du bracelet et en plus il faut euh, mentionner ça c'est mouvement H1912 H1912 mécanique, mécanique mécanique automatique automatique 50 heures j'ai déjà lu C'est ça. Pense, 50, 50 heures de ça heure, pas ouais. mal pour une montre petite en plus et euh, avec un fond saphir on voit très bien le mouvement alors euh, tout bien fait. Oui, et puis aussi la particularité, tout à l'heure on parlait de d'interchangeabilité du ouais, bracelet. C'est tellement facile. C'est très facile, c'est un système qui a été breveté et étudié chez nous. Et, et donc euh, on a vraiment la, la possibilité de changer très facilement du bracelet métal au bracelet caoutchouc. Je vois déjà euh, le reste euh, de, de l'industrie horlogère qui se dit Oh, pourquoi on n'avait pas l'idée, nous C'est tellement facile. Donc Keep it simple and stupid, dit en anglais. absolument. Simple and stupid. Donc, c'est une montre qui est déclinée en oh. quatre versions hein. en acier, en acier certi, et en bicolore, et en bicolore certi. Ouais. Et évidemment, avec toute une collection de bracelets. On a huit couleurs à disposition, ouais. en, pl en plus des bracelets métaux. Toute une gamme de couleurs qui a été étudiée spécifiquement pour cette collection. Et quand je vois les choix qu'il a euh, des diamants, lunettes diamants, bicolore, poli euh, tout euh, ouais euh, il faut faire un premier choix après mm -hmm. c'est après on peut adapter après. la couleur en fonction de, de ouais. et, de, et de même donner. même changer facilement changer enlever le, passé, bien sûr. le bracelet métal alors Pareil. tu peux la porter durant la euh, je parle le soir bracelet bicolore durant la journée avec même la lunette diamant tu, tu, tu peux tu choisir une, comme... une couleur euh, qui, ouais, qui t'appartient une montre euh, hyper sportive chic voilà. Comme il y a des pays où les poignets sont assez petits, est-ce que la montre pourrait aussi être une montre pour homme ou seulement dédiée à la femme oui, J'ai envie de dire aujourd'hui, euh, moi j'ai un poignet qui n'est pas très, pas, pas très grand, euh, c'est une montre que je porte facilement. Donc 36 mm, c'est une taille à la fois femme, alors parce qu'on l'avait évidemment euh, pensée pour une femme, mais euh, moi j'ai les... vu, vu des hommes, par exemple au Japon, porter cette montre-là euh, qui va très bien. Okay. Mais c'est pas vraiment une montre dédiée à la femme. C'est une montre, bien sûr, elle, à, à cause de sa taille qui va probablement être vendue plus à une femme qu'à un homme. Elle était faite pour une femme au départ. Okay. Voilà, mais quand je vois mais, la pièce aujourd'hui... mais la taille 36, vous pouvez très bien la porter pour un homme. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la, la, la montre H08 qui avait été conçue pour un homme, dans à l'origine, euh, il y a de nombreuses femmes aujourd'hui qui la portent. Tu sais, voilà. ouais. Donc il n'y a pas vraiment de, de, de règles, en définitive. Moi, Souvent, je je, je je parle plus de montre femme ni de montre homme, je parle de... Ouais. Euh, j'ai une 36 mm, j'ai une 41 mm. Ouais. Et puis finalement, chacun, euh, disons, euh, organise, choisit et organise la vie qui va avec. Ouais, voilà. ouais. C'était que le, dé le départ de cette collection Cut. Euh, elle va toujours rester... Une montre simple, sans date, ou euh, est-ce qu'il y a des, je dirais des, des, des déclinations qui vont arriver dans les prochaines années euh, à suivre euh, Ou il y aura peut-être un chronographe Tu, euh, as, tu as presque dévoilé euh, ce qui va arriver derrière. Bien sûr qu'il y aura des choses, qui vont on va, on va faire évoluer la okay, gamme. Okay. Bien sûr, euh, sur une collection, on a, on a intérêt à, à continuer à la, à la nourrir, soit avec des complications mécaniques ou, ou autre chose. Et elle reste mécanique Elle restera mécanique. Pas de quartz. Pas de quartz. Très bien, j'adore ça. C'est la première collection, on va dire, féminine, euh, on va dire à caractère sportif, ouais. euh, avec un mouvement mécanique automatique. Et en plus, ouais. la boîte elle est étanche à 100 mètres. Et la boîte est étanche à 100 mètres. Alors qu'on peut utiliser pour Partout. la natation. Exactement, c'est la montre de, des 24 heures. Ouais, ouais, ouais. c'est bien. La grande surprise pour moi était quand j'ai, première fois, appris le prix. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut dépenser pour une montre Hermès, mm -hmm. mécanique Design créé par mm -hmm. Philippe Delotal et son équipe, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que tu dis bah, Je dis 5004. 5004, et voilà, ça s'est pris, <laughs> bien sûr. Voilà. Et ça, c'est quand même étonnant de, de voir qu'une maison comme Hermès fait une création complètement de, du scratch. Mmh. Euh, une pièce qui n'existait pas, bracelet interchangeable, mouvement mécanique, Hermès pur, et 5004 inclut 21% de taxes. Et ça, c'est... Chapeau <laughs> Au-dessus que la pièce me plaît beaucoup, je pense qu'elle va être un grand, grand succès parce que c'est vraiment une pièce... Euh, elle a tout ce qu'il faut, hein on essaye d'apporter justement avec cette pièce à la fois une forme originale, ouais. à la fois une... Une montre, c'est comme un objet, c'est-à-dire ça vous accompagne la journée, c'est un objet compagnon finalement, car apporte du sens à la personne qui va l'acquérir. Et je pense que le sens de l'objet chez Hermès, c'est exactement ça, c'est de pouvoir donner à la fois du plaisir, à la fois de la pérennité. On espère évidemment que cette montre va durer dans le temps, qu'elle sera présente très longtemps. Je suis sûr. Et on espère. Donc, merci Philippe. Merci, Alex. Est-ce que, est que j'ai oublié de demander quelque chose ou, tu, ou... Non, non, mais c'était très bien. Oui. Tout bien et Ravi, ravi de... Content avec moi, ça toujours, bien. toujours, toujours. <rire> <rire> On se connaît depuis longtemps, c'est pour ça. <laughs> ok. Philippe Delotal, directeur créatif de la montre. Avec nous ici sur Watch Advisor. Euh, moi, je parle français, je n'ai pas, pas l'habitude de parler français devant la caméra, mais je le fais aujourd'hui avec grand plaisir. Merci, Alex. Merci. Philippe, merci, merci. de merci nous beaucoup. avoir. Et merci. il faut aussi mentionner, et ça, c'est drôle, parce que vous voyez, Philippe porte la H08 avec un, un, un bracelet jaune, jaune aujourd'hui, ouais. et moi, je porte une <laughs> <laughs> montre avec un cadran jaune. On ne s'est voilà. pas vu avant. J'ai dû rire quand on s'est vu. <laughs> je dis, ah, on a le même goût peut-être. Voilà, c'est ça. <laughs> Philippe, merci encore une fois. Merci, merci, bonne journée. I can switch back to English. Thanks for watching a video on Watch Advisor on YouTube. It was French, yes. I hope you were able to read all the subtitles here. And um, yeah, your comments are mostly welcome in the comment section. What do you think about this watch from coming from Hermes? Uh, Thirty-six millimeters, really well done. For an, I, I would say stunning, stunning price. And this is really, and I want to repeat that uh, before I leave you now, guys. You have to do that. It's Hermes. It's not. I don't want to mention any. Hmm? It's Hermes. It's the top of the top of the top of luxury. It's the pyramid. If you imagine the little and then there is Hermes <laughs> sitting on it. And they sell that for 5,400 euros. And this is really, I have to say, chapeau, as we say in French. Your comments are welcome in our comment section, Philippe. Thank once you. again, thank, thank you. you. Bye -bye. Thank you. bye. And see you back here on Watch Advisor on YouTube as soon as possible. Bye, guys.